Alors il faut savoir que la voile et les activités nautiques, c'est la première pratique des Rochelais. Première discipline, avant le foot, avant le rugby, avant toutes ces autres disciplines. Il nous faut donc un bâtiment à la hauteur de notre projet politique, de nos ambitions sportives et surtout à la hauteur des performances de nos athlètes et de nos athlètes notamment de haut niveau avec nos titres de champions olympiques notamment. Tous les amoureux de la voile et des activités nautiques, c'est-à-dire on accueille ici les petits moussaillons, des enfants de 4-5 ans. Nous accueillons également la voile scolaire, ça concerne tous les enfants des écoles de La Rochelle, des CM1 ou des CM2. Nous accueillons également les étudiants de l'université, évidemment tous les licenciés des clubs sportifs et puis des grands champions, nos champions olympiques. Alors nous allons retrouver les associations qui étaient là depuis toujours, c'est-à-dire nos clubs nautiques, La Rochelle Nautique, le CNLR, le club d'aviron, les pêcheurs, mais aussi le cercle Andy, le comité départemental de voile, la ligue de voile Nouvelle-Aquitaine. Tous ceux qui étaient logés ici, dans deux bâtiments, vont se retrouver dans un seul bâtiment. Les espaces communs vont être mutualisés, les sanitaires mutualisés, et puis après chacun va garder ses bureaux privatifs comme auparavant.